espèce de romantique ténébreux. La charmante maîtresse Satine sollicite le plaisir de votre compagnie dans vos quartiers préférés, monseigneur. Oh! Serait-ce une invitation à certaines choses? Maître! Oh! Je maîtrise même la force. Salut, ma bien-aimée. Voilà, mon chéri. La première chose à faire, c'est de te sortir de cette lourde armure. Elle pèse 4 tonnes. Oh, Seigneur. Eh bien, quelle belle surprise! Je te trouve vraiment pleine formette. Ah ouais, voilà, c'est une bonne manière de commencer ce final. Ok, salut à tous, bienvenue, c'est Cyanure, et aujourd'hui, grand final, donc je sais la suite du tournage de la vidéo précédente, hein, si vous vous rappelez. Grand final d'Overlord, donc il est temps pour moi de résumer vite fait toute l'histoire du jeu, comme je l'avais fait pour par exemple les finales de Mass Effect. Ça va être un final beaucoup moins long que ceux de Mass Effect, vous inquiétez pas. Et il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce final. Donc résumons un petit peu l'histoire devant cette... Je sais pas si c'est le soleil, ça doit être le soleil, mais il fait tellement nuageux que brumeux qu'on y voit que dalle. Bref, donc, dernier épisode d'Overlord, enfin, ça aura duré longtemps, mais c'était sympa. Donc l'histoire, donc, l'ancienne Overlord meurt, tué par les 7 héros. Les 7 héros pulvérisent sa tour et lui volent plein d'objets. Et moi, le nouvel Overlord, naît, en quelque sorte, apparaît, pour remplacer donc celui qui est mort, sauf qu'entre temps il s'est écoulé à peu près 100 ans, ou non, peut-être pas 100 ans, 30 ans, 40, enfin on sait pas trop. Et donc je débarque dans un monde qui est tout libéré du mal. Et donc pendant tout le jeu, on a pris soin de refaire notre tour, donc vous voyez que notre tour est refaite quasiment en entier, j'ai pas pu tout racheter, hein, mais on a des serviteurs, on a des statues, on a récupéré tous nos pouvoirs, on a une bannière, notre tour est toute reconstruite, c'est génial. On a refait nos armées de larbin, on a trouvé une maîtresse en la personne de Satine, on a été full corrompu, 100% de corruption les mecs, c'est ça, c'est la puissance. Et donc du coup on s'est lancé dans notre quête qui était de tuer les 7 héros, donc les ceux qui avaient tué notre prédécesseur. Et donc on a tué dans l'ordre Melvin Grobid, le héros qui avait été corrompu par le péché de gourmandise. Oberon qui était lui par la paresse. William qui était par la luxure. Il y avait Goldo qui était par l'avarice. Il y avait... Perle la voleuse, donc l'envie. Et donc il nous en reste deux, c'est Khan, la colère, et le mage qui est donc l'orgueil. Sauf qu'on a appris que le mage était derrière tout ça. C'était lui qui avait corrompu les autres héros, parce que je sais pas si je l'ai dit, les autres héros étaient donc devenus corrompus. Et ils s'étaient donc laissés bouffer par les péchés, tout ça. Ils avaient massacré leur des peuples, enfin c'était devenu de gros connards. Et on a appris que c'est le mage qui avait participé à cette corruption. Pourquoi? Quel est son rôle? Et surtout, quel est aussi un petit peu le rôle de Khan? Parce que ça a l'air d'être... comment dire? Ça a l'air d'être le bras droit du mage. Donc voilà, va falloir se faire ces deux-là. Et surtout, comprendre un petit peu ce que veut le mage. Puisque apparemment, c'est lui qui a foutu la merde au sein des héros. C'est-à-dire, il n'a même pas été dangereux pour moi. Il a été dangereux pour les héros. Donc c'est presque un deuxième méchant. Mais c'est un méchant pour moi aussi. En gros, il y a quasiment trois clans. Les héros gentils qui sont devenus méchants à cause du mage et moi. Here we go. Et maintenant... je tousse un coup. Allez, on y va. Pic du paradis, donc, qui est attaqué par... Khan. Il avait attaqué Abondance, mais on a appris que c'était grâce à la... à l'aide des villageois, villageois qu'on a massacrés. C'était des traîtres. Ah, les armées de Khan sont au pic du paradis, donc, puisqu'il y a cette grosse bête dégueulasse. Celle-là aussi... Enfin ça c'est plus des bêtes qui appartiennent aux mages je pense. Oh putain il y en a pas que...
Ok, donc apparemment, on arrive. Et que la guerre commence! Plus! On va prendre quasiment que des roues. Merde, des ninjas. Salut! Aïe! Je préfère que ça soit moi que mes larbins. Putain, fais chier mes larbins. Vite! Ah putain! Les bleus, sauvez tout le monde! Ah putain! J'arrive à peine! J'ai plus de verre! Hop. Oh putain, ils ont pu balancer une bombe. Allez les bleus, sauvez les verts. Moi je vais m'occuper de ces salauds. Oh bordel. Les verts, revenez. Vous allez vous mettre là. Pourquoi ils sont là les verts? Ok, ninja maintenant. Alors vous voyez que la fin du jeu c'est pas la même, hein, ça se complique. Du moins on perd des larbins. Hein. Allez les verts, sautez-lui dessus. Excellent. Revenez tous. Il reste le rouge là-bas. Ah putain, c'est pas là qu'il faut que je... Oh non, pas eux. Pas les grenades, pas les grenades. Restez là, tous. Oups. Aïe. Bon. J'en ai marre. Faut pas discuter avec ces gens-là. Oh, essayer de m'attaquer à l'épée, mec, ça a été une erreur. Ok, vous mettez là, tous. Tous. Moi, je vais faire le tour. Ah, il y a des villageois ici. Putain, je les avais même pas remarqués. Allez, butez-le. Butez-le tous. Butez-le. Quant à vous. Voilà. Pouf. Pas facile, les combats du jeu. J'aime beaucoup la musique de Verlan. J'ai déjà dit, mais... Bon, les villageois, je viens vous sauver. J'ai dit que je venais vous sauver. Je vais me tromper. Puisque le monde est à feu et à sang, autant en profiter. Okay. Here we go. Vers la ville. Je vais essayer de pas tousser pendant les phases de combat. Mais veuillez me pardonner, je suis malade et faut vraiment que je tourne vers l'ordre. Pourquoi ça s'arrête quand je... What the fuck, le mec est gigantesque. Il tue des gens en sautant par terre. Moi connaître toi. Hello Texama. T'es déjà en colère de base, mec. Il a la masse du roi sorcier. D'accord, tu m'enfermes trop bien. Tu crois que tu me fais peur? Il a un pote là-bas, j'aime pas ça. Bon, Khan est un mec difficile à battre. Déjà, faut pas l'affronter ici. Beaucoup trop dangereux. Oh putain, mais... Khan, lâche-moi, quoi, merde! Allez, mettez-vous là, vous. Sautez-lui dessus! Oh, merde! Le mec massacre tout le monde! Khan! K
qui faire mal? À Perle? Mais Perle, je veux les buter, mec! What the fuck? On peut pas faire ça, normalement! Le mec est gigantesque! Et merde, cette merde spawn des ninjas. Allez, bah, ramenez-vous, ninja. Pourquoi pas? Ah merde, j'ai les bleus avec moi, c'est pas trop une bonne idée. Cramez-le! Bon, on va éviter la bébête, on s'en tamponne. Eh, revenez vite! Ok. Can! Outin! Canou! Canel! Oh, vous êtes ridicule. Putain! Stop, attaquer mes troupes. C'est chiant parce que j'ai aucun... Oh putain. La porte est fermée. Ça règle un problème. Wouah! Ça règle pas trop celui-là. On va tenter de passer discrètement par là. Écoute, Khan, je sais que tu ne m'aimes pas, mais je ne t'aime pas non plus. Mettez-vous là. Oh putain, mais... Battons-nous, bastard! J'aime pas trop ce qu'il prépare, là. D'accord, ça lui fait rien. Ah, ça ne me fait rien du tout. Ouf, ouf, ça a fait des dégâts, ça. Le vieillard, ouais. Elle est morte! Arrête! On l'a torturée, ta perle! On l'a défoncée! Par contre, le mage, d'accord. Apparemment, même. En fait, Khan, il est incontrôlable. Genre, ils sont tamponnes, quoi. Il écrasera tout le monde, que ça soit moi, le mage. Tous, quoi. Il va tous nous massacrer. Je ne l'entends pas. De ça. Je suis pas sûr. Oh putain, des potions de magie. Poussez-vous, vous êtes sur un terrain qui m'appartient. Allez porter la bouteille de magie. Oula. Apportez-moi vite la bouteille de magie. Ça urge. Ça crame l'air la gueule. En même temps les rouges et les verts, autant les prendre puisque c'est ceux qui sont le plus améliorés quoi. Oh yes. Putain. Quand ils sont deux, ils sont terribles. Bon, vous avez compris que pour battre Khan, il me faudra des verres. Fort heureusement, l'épisode précédent, comme vous l'avez vu... Ah, des verts et aussi des rouges. Allez, on y retourne, avec plus de rouges que de verts. Mais bon, ça changera rien. Oula! Bon, on se bat ou pas, mec? Parce que... Tu protèges que d'elle, mec. On l'a eu, ta nana. Il y avait des maisons ici, t'as tout rasé, mec. Ah, il y a eux aussi. Ah, ça peut poser problème. Allez, les verts, ici. Avec les rouges. Non, attaquez pas Khan, attaquez la bébête. Putain, fais chier. Ah, ils sont aussi sur la bébête. Revenez. Tous les verts, on a besoin de vous ici. Et les verts, et les rouges. Les rouges. Tuez la bête. Après on s'occupera de cet enculé. Bon, Khan. Allez, l'herbin. Oh, merde. Ouais, il sert à rien. Ok, on va se battre en un contre un. Wouah, 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 wouah. Comment il m'a fait ça? Khan, faut que tu te rapproches par là en fait, sinon mon plan ne marche pas.
Oh putain les larbins. Approche-toi mec. Et tous. Non, par ici, par ici. Oh purée, il les écrase quoi. Pendant qu'il s'occupe pas de moi. Loupé. Le bitch. Qu'est-ce qu'il y a? Wouah. Ah, tu mets un genou à terre. Bah, laisse-moi t'achever. Alors, Khan, mon grand, je peux te monter sur le dos? Oh, je peux pas. Bon, dis-moi l'ami, le mage, c'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'il veut? Hein? Tu sais pas? Tu respires fort? Pff, pathétique. Par contre, quand ce truc va exploser, je suis pas sûr que la ville tienne le coup. Bah, explose, mec. Enfin, je veux dire, on en a pas... Ouais, ok, explose. Wouh. Ah bon? Bon! Un problème de réglé, on a roulé sur Khan. Il n'en reste plus qu'un, le mage. Ouf. On va se le faire. Mais maintenant, les amis, c'est l'heure de la révélation. Vous avez dit qu'il y en aurait dans le final, je ne mens jamais. Salut tous, le retour du grand Overlord, la seule incarnation du mage. Je sais, merci. Quoi? De qui on parle? J'ai toujours été fidèle au mal. Je ne pose pas de questions. Le mal fait ce qu'il a fait. Le mal? Bien. What? Monseigneur. The fuck? Je suis enfin chez moi. Même si pour ça il a fallu que j'emprunte cette enveloppe corporelle fatiguée et desséchée. Quoi? Je joue très mal. Vous devez connaître mes filles. Tes filles? Voici Rose. Comme oh si la pute! Pour cette harpie en dentelle noire. Tu es une pétasse! Elle m'a été extrêmement utile. Et puis voici Satine. Je crois qu'elle ne s'est pas encore vraiment décidée. Je savais que tu étais une pétasse. Une femme doit toujours pouvoir considérer toutes ses options. Ouais, même la trahison! Tu pensais m'avoir tué, n'est-ce pas? Toi! Et tes amis héroïques. Qui ça? Mais j'avais prévu de faire un petit voyage. D'être un peu dans la peau du bien, au sens propre. Mes amis héroïques, je crois qu'on y a un problème, mec. Tu ne sais pas vraiment qui tu es. Dommage, je pensais avoir le dessus jusqu'au moment où j'ai purgé son âme et pris possession de sa carcasse de mortel. Oula, ok, je commence à comprendre. Ça, il faut bien le dire. C'est vraiment un plan très pernicieux. D'accord, donc tu n'es pas le mage, tu es l'Overlord. Les saints à la suite des autres, ils n'ont pas pu résister à mon influence corrompue. Oh, c'est intelligent. Ces murs de bonté, de pureté, d'obéissance. Il fallait juste pousser au bon endroit. Bien joué, je dois avouer que c'est vil. Et quant à toi, tu es tombé. Et les autres t'ont lâchement abandonné, désespérés qu'ils étaient de devenir des héros. Je suis toi. Je suis le mage. Tu m'as donné une deuxième chance, une voie différente. Tu m'as été utile, mais désormais, tu es un obstacle en travers de mon chemin. Mec, j'ai reconstruit ton empire! Larbin! Non! Hé hey! Mais c'est dégueulasse! Quand je pense que tu utilisais mes sangs, c'est fini. Ah! Non, il faut que je me débarrasse de ta présence physique. Tu t'es déjà occupé des autres. Mon cher. Oh putain, sale enculé! J'en tousse. Bah oui, parle.
On m'a trahi. Merci de m'aider, maintenant. Ta gueule, toi, tu es moi en plus, je sais même plus qui on est. Cette musique est épique. Salaud ! Ah ! Voilà. La révélation, ce moment est épique. Donc, je ne suis pas l'Overlord. Je suis le... je crois que c'est le quatrième. Je suis un Overlord, mais le précédent n'est pas mort. Le précédent, c'est le mage. Donc l'Overlord, quand il a failli se faire défoncer par les 7 héros, il a tué le mage, qui était donc moi. Il a pris possession de son corps. Et moi, il m'a laissé crever comme une merde. Mais il m'a autorisé à devenir le nouvel Overlord. En gros, il a échangé nos places. Donc moi, le mage, suis devenu l'Overlord. Et lui, l'Overlord, est devenu le mage. Il en a profité pour corrompre tous ses petits copains. Moi, pendant ce temps, je revis sans aucun souvenir. Je suis l'Overlord, je suis le maître du mal. Je défonce tout le monde. Dont, forcément, les héros. Les 6 premiers héros. Et le 7ème, qui est donc l'Overlord, se dit, c'est tranquille. J'ai niqué les héros. Le 7ème... qui est devenu l'Overlord est en train de se les faire, j'aurais plus qu'à m'occuper de lui à la fin, et c'est ce qu'il vient de faire, je n'ai plus d'énergie, je suis perdu, je n'ai plus rien, c'est fini les mecs. Je suis juste, je n'ai plus que ma puissance physique. Et ceci dit, la puissance physique, c'est quand même pas trop mal ce qui me reste. On va s'en sortir, on va s'occuper de cet enculé. Donc voilà, le combat contre le précédent Overlord alias le mage, ou plutôt le mage alias l'ancien Overlord. Donc voilà, donc je suis lui, il est moi, Satine et Rose sont les filles du mage, qui non en fait c'est plutôt l'Overlord, donc c'est plutôt les filles de l'autre Overlord. Et Satine, qu'est-ce que tu fais? Satine, qu'est-ce que t'as foutu? C'est ça, va te cacher, Satine. Merci, je crois. Une fois que j'aurai absorbé ton énergie, je lui rendrai sa pleine puissance. Larbin ! Wow ! Eh, c'est mes larmes. What the ? Ok, j'ai compris. Poussez-vous, je vous prie. Vous ne m'appartenez plus, de toute façon. Hop, esquive. J'ai joué contre vous, je vous connais, je sais comment vous battez. Hop là. Elle est rouge. Vous êtes assez fragile en fait. Oh, des verres. Ah, salaud. C'est ma technique. Poussez-vous. C'est moi votre maître. Et ceux-là, ils ont l'air vraiment super corrompus quoi. Lâchez-moi. Bon, vous, les mecs de feu, vous ne me faites rien. Tu aurais pu devenir un héros. Regarde-toi. Je suis l'Overlord. Je suis beaucoup plus puissant. What the fuck? Mon mur. Ou ton mur, enfin, je ne sais plus. Merci de m'aider, toi. C'est le seul et unique moyen de vous en sortir. Il y a des bestioles là-dedans. Personne ne fait le ménage par ici. Qu'est-ce que tu fous là, toi, grosse pute? Va-t'en. Rien de tel que de grignoter en ce dia. Et toi aussi, sale traître. Vous foutez de ma gueule, les mecs. Vous m'avez complètement lâché. Oh, un résidu d'énergie, c'est bon. Yeah, mes sorts. On sent. Vous étiez un bon Overlord. Vous allez peut-être me manquer. Je vais me le faire, ton ancien maître. Il peut pas y avoir deux Overlords en même temps. Et je suis le plus récent. Qu'est-ce que... Oh! Les brins sont restés fidèles. Oui. Oui. Oh. Oh, thanks God, ils sont toujours avec moi. Merci, quand même. Je suis désolé, mon cœur. Il a débarqué tout d'un coup avec cette petite frigide. Bon, je t'en veux pas, tu m'as aidé. Toi. Je vais aider mon père à mettre de l'ordre dans ce monde. De l'ordre dans ce monde? Ton maître est un gros maniaque.
C'est un malade! Il est Overlord depuis plus longtemps que vous, mais vous apprenez. Ouais mec, je suis 100% de corruption! Un peu que j'apprends vite! Je suis meilleur que lui! Enfin, j'ose espérer. Le mal sait se montrer efficace. Le bien ne fait que rechercher le mal. Oui, mais je suis le mal, donc je suis efficace. Je n'aime pas les perdants, mon chéri. Confirme-le-moi. Non, t'inquiète pas. Vous avez choisi ma sœur. Quelle honte. Ta gueule. On réglera les problèmes une fois que j'aurai tué ton père. Enfin, ton père. Vous êtes les filles du mage ou de l'Overlord? Parce que vous, si vous êtes les filles du mage, vous êtes mes filles. Ah. Ah. J'espère que vous êtes les filles de l'ancien Overlord. Je pense. Vu comme il se comporte. Bon. Tu t'es bien amusé à éliminer tous tes vieux amis. Tu ne te souviens pas quand ils t'ont laissé pour mort. Pff. L'armée de pacotille, tu es là. Elle a absorbé leurs lamentations. Écoute-les parler. Voilà, c'est leur un peu trop trahison chaud. Envers toi. Bah vas-y, raconte. C'est William, ça. Oui, bah William m'a trahi, et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai buté. Il a combattu à nos côtés. Il y a peut-être encore une chance. Oberon! Oberon était sympa! J'aurais peut-être pas dû le tuer. Ceci dit, je l'ai fait pour l'aider. Goldo, j'imagine. Bâtard. Il a raison, nous avons vaincu le mal. Il a bien mérité son repos. Salaud! Bon, William, de toute façon, je vais rouler sur la gueule. Mes larves t'ont trouvé, t'ont soigné. C'est un de ces incubateurs, Alita. Je crois qu'ils sont importants. D'accord, donc les larbas de l'Overlord, en gros, m'ont sauvé, en fait. Quelle bande de salauds. Le mec a tout préparé, quoi. Je savais pas que la tour était faite sur un volcan, ou un truc similaire. Oh, encore des larbins. Tes larbins valent rien comparé aux miens. Donne-moi des orbes rouges plutôt, je t'en serai reconnaissant. Merde, ils attaquent mes larbins là-bas. Les larbins sont attaqués, allez les aider! Mais ils sont nuls tes larbins au Stone Overlord. On voit que t'es en retard mec, t'es sénile. Tu vaux plus rien. Laisse-moi prendre la relève, je suis le mage, je peux prendre la relève. Bon, l'incubateur des rouges. C'est là. Je suis le mage, mec, je suis à la fois le mage et l'Overlord, je peux tout faire. Moi, je crois au mal. Elle ne fait que se croire maligne. Oui, oui, bien sûr. Si tu gagnes, je serai tout à toi. Et si tu perds, cela n'aura vraiment pas d'importance. Bah non, parce que si je perds, de toute façon, le problème est réglé. Ne soyez pas abattu. Faut vous en mettre bien sorti. Ta gueule, biscornu. Pareil, je réglerai ce différent quand je me serai occupé de l'autre. Avec de la musique épique, 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 épique. Alors, ce moment est assez relou. Dans le sens où on fait beaucoup d'aller-retour et que tout respawn. Mais c'est un bon final. Ça envoie du pâté. Oh les rouges. Les rouges peuvent pas tuer les rouges. Cassez-vous les larbins. Oh là là. Regardez les rouges qui se battent là-bas. Feu. Oh feu. Oh. Feu, oh, feu, oh, feu, oh, feu, oh. Ouais, c'est comme ça, ils ont l'air de s'amuser. Revenez, vous quatre. Je veux dire, on s'en fout. Ils savent pas se battre, les autres. Ah, merde, j'ai dit à tout le monde de revenir. Ah non, ils m'ont déposé. Excellent. Bien, hein. Une fois que j'aurai récupéré tous mes larbins, j'aurai récupéré ma pleine puissance. Et donc à ce moment-là, il faudra qu'on se mette d'accord sur qui sera
l'Overlord pour les années à venir. Si vous le battez, je vous reprendrai. Ouais, on est bien d'accord. Sale petit traître. Je dois dire que vous m'avez impressionné. Vous savez mettre de l'ambiance. Bah oui, c'est moi le meilleur pour mettre l'ambiance. Il a un peu changé, mais au moins il est bien là. Bah ouais, il ressemble à moi maintenant. Il ressemble à papa. Pour moi, cette raison suffit à justifier sa mort. Il ressemble à papa. Ah, donc le mage ressemble à papa. Enfin, moi, je ressemble à votre père, enfin... Et donc, du coup, ça tire... Oh. Bref. Tout ce temps-là, massacrer tout le monde en se disant qu'on était le maître du mal, l'Overlord, le champion du monde. Allez, hop, vous me saoulez. Alors que ce n'était qu'une petite illusion débile. Je suis bien fait avoir. Tiens, ouvrez ça, les mecs. Bon, vous, pareil. Vous êtes nuls. Ouh. Oh, une boule de feu. Aïe, ça fait mal. Merci pour le coup. Ça doit faire chaud là-dedans, mais je suis la corruption même. Moi, j'ai jamais chaud. J'ai même plutôt froid avec mon cœur de pierre. Alors ici, si je me rappelle, je n'aime pas ce moment. Pour une raison assez simple, voilà. Voilà, le délire en fait. Ah, des vers ! Aidez-moi à m'en débarrasser, les mecs ! Voilà, alors ce moment-là, je ne l'aime pas parce que, en fait, la seule fois où j'ai fini le jeu, je suis arrivé ici, et vous arrivez avec vos bleus, et là, il y a ces enculés de l'armée qui apparaissent et qui vous massacrent tout le monde. C'est dégueulasse, quoi. Allez, on est... Faut les protéger, les bleus, c'est des tout faibles. Mais non, portez-moi ce truc. Voilà. Tous choisis. On s'en fout des trucs comme ça. Encore ? Vite. Tu sais qu'il va y avoir une poignée de brins qui vont apparaître là. Allez, avancez. J'ai quoi d'autre comme sort? C'est vrai que j'utilise souvent le feu, mais... Ah, j'ai ça qui fait très mal. J'ai ça qui fait très très mal. J'ai ça qui fait vraiment très mal. On va l'utiliser, tiens, en venant. Oh, putain, il y a des rouges. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous pousser? Voilà. Les mecs, enfin, je cherche à récupérer mon pouvoir. Poussez-vous, vous voyez pas que je suis occupé? Allez, déposez-le là. Excellent. On n'a plus besoin d'autant de bleus. Yeah! Je suis l'Overlord, bitch! Il ne peut pas y en avoir deux! Je vais aider mon père à mettre de l'ordre dans... Tu l'as déjà dit, j'en ai rien à foutre, Rose. Je pensais ne plus jamais revoir ma sœur, mais elle débarque toujours au plus mauvais moment. Ouais. Bah, elle a forcément aidé ton père. But. Vous commencez à me plaire. Essayez de ne pas mourir. Lui, c'est de mieux. Plus je reviens, plus il commence à faire. Ouais, finalement, il sait se battre. Allez, on y va. Il sera armé. Ne sois pas trop dur avec Biscornu. Cette bête grotesque. Oui, c'est bon, je vais l'excuser. Et toi aussi, Satine, je vais t'excuser. Le mal sait se montrer efficace. Toi. Le bien ne fait que rechercher le mal. Toi, hein. Ça va mal finir. Bon.
Il est temps d'aller s'occuper de mon ancien moi. Dans les deux sens du terme. Battez-vous! Vous êtes mignon. Bon, maintenant qu'ils se sont battus. Attaquez-moi! Voilà. Ça a le coup. Voilà, c'était les différents sorts du jeu. Celui-là, je vais l'utiliser pendant le combat contre le mage. Le truc, c'est que j'ai plus de magie. Oui, c'est un problème. Enfin, le mage. Le mage Overlord, quoi. Appelez-le comme vous voulez. Ah bah tiens, je peux récupérer de la magie, ici. Ouais, mais là, attendez, il y a de l'acide, je peux pas... Ah, des verres. Pardon, poussez-vous. On va ouvrir ça. Ouais, donc là, je sacrifierais bien des larmes, mais... Bon, ça sert à rien de faire ça. Revenez. Ah, t'es pas à moi, toi. Je vais le tuer pendant qu'il a grossi à ma jambe, merci. Vous êtes gentil. Allez, enlever l'acide de mon chemin. Allez, enlever tout l'acide de mon chemin. Qu'est-ce qu'il vaut? Là, faut être 5. 5 pour défoncer la porte. Allez. Ah, pour pousser la porte. C'est vraiment ridicule. Ah! Salut! Sauf que je ne suis pas le bien. J'étais le bien. Tu es, d'une certaine manière, le bien. Impressionnant. Allez ! Que la bataille commence ! Ah, tu te moques de Melvin ? Tu peux. Alors là, je crois que ce qu'il faut faire, en fait, c'est... Si vous voulez vous isoler avec elle, je ne le dirai à personne. Ah oui, tu l'as vraiment corrompu, William. Cette perle avait tout pour elle. Qu'est-ce que tu fais? Wow! En fait, elle ne désire que ce que les autres possèdent. Ouais, c'est un peu une pute, hein. Ah! Donc voilà, là vous voyez, il a un bouclier brun. Donc le tout, ça va être de lui. Crevez, crevez, crevez. Allez les bruns, attaquez-le! Ah merde. Sauvez les rouges. Voilà, donc selon son bouclier, il faut lui envoyer des larbins! Ça, non, pas! Ça, non, ah! Que tes larbins viennent, je les attends. Non, les bleus attaquent, pourquoi? Ok. Tu es un héros maintenant. Ah, les rouges lui font pas beaucoup de dégâts. Allez, pétez son bouclier. Ouais, c'est bon. Avec les rouges, je pourrais jamais péter son bouclier. Les bruns? Ou le vert? Il y a du vert. Ça va être parfait. Attaquez-le! Ils sont tous morts! Ils sont morts en instant. Tu perds de tes pouvoirs, le mage, l'Overlord, ou quel que soit ton nom. Ah. Ouah. Qu'est-ce qu'il fait? Ah. Holy shit. C'est dur de voir ce qu'on aime sans amis, n'est-ce pas?
qui a massacré tout le monde. La raison laisse sa place à la folie. Tu prends une couleur que je m'occupe de toi. Ok. Oh oh. Mouep. Ok. You want? Mais l'arbre! Non! Cette musique! C'est pour ça que j'aime ce jeu! Non! Je n'ai plus de l'arbre! Mais j'ai toujours moi-même! Et c'est déjà bien suffisant! Viens là, toi! Oh, ça revient! Esquive! Salaud! Alors là, c'est le même procédé. Le truc, c'est que... Brin! À l'attaque! Ah, je peux pas y aller. Oh non, pas ça. Ouh, on a réussi à se cacher ici. Alors, si je connais son pattern, il va falloir essayer de le suivre. Ça reviendra pas en arrière. Voilà. Pouing, pouing, et pouing, excellent. Vous, retournez au puits. Je vous appellerai plus tard. Cette musique. Ok, faut regarder ses mains. Rouge. Bim. Je vais m'occuper de ces enculés. Merde, je crame les rouges, c'est ça. Cramez-lui sa gueule. Ah! Une faiblesse? Salon! Culé! C'est moi le vrai! Maintenant! Ah! Je perds toute ma voix dans cette connerie! Retournez-y! Ah! Il est perdu. Allez, TP-toi où que tu veuilles! Hop là, je t'ai vu. Vert, rouge. Brun. Bleu. Brun, merde. Attaquez, ça va être enculé. Ça, c'est un vrai combat de boss. Bitches. Attention, il va revenir. Il va plus vite, j'ai l'impression. Ouf, ça fait mal, ça. Allez, 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 go, tous au puits. Et à droite. Rouge. Jackpot. C'est bien mec, t'as corrompu les héros et moi je les ai tués. On aurait pu faire une super équipe. Mais au final, je t'aurais trahi quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Tournicolol, tournicolol. Oui, c'est le moment où vous y rentrez. J'en ai 3 mais j'ai beaucoup ça. Wing. Alors, brun, vert, bleu, rouge.
folie. Les larbins sont amassés. À l'assaut! Allez, craque ton slip! Yeah! Le bien est très loin de se douter de la proximité du mal. C'est très profond ce que tu dis. Bon. Moi-même. Je crois que toi et moi, on est pareil au final. Bon. Le principe est simple. Je te bute. Je mets fin à mon ancienne vie. Et je dis bonjour à la nouvelle. Et toi, tu vas te faire foutre. I'm back! On a trouvé un nouveau moyen de faire de la forge. Je suis le mal. Je dois avouer, la cinématique de fin est merdique. Bitches, whoop, 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 j'ai fini, Overlord, ah, 100%, il y a trois fins possibles, celle à 100% de bien, celle à 100% de mal, et celle entre les deux. Mais il y a toujours cette fin-là. Cette fin n'a aucun sens. Yeah! Et ben voilà. Alors vous avez pu voir mes stats, je voulais les commenter. Bon, j'ai perdu énormément de larmes, j'en ai produit énormément, j'en ai vu presque 666 de vivants. Voilà, les amis, c'était Overlord. Quel jeu franchement super. Alors bien sûr, donnez vos avis dans les commentaires sur la fin, la révélation qui est absolument géniale, je trouve, de dire, ben ouais, en fait, non mec, depuis le début... fait pourrir quoi par le mage qui enfin je trouve cette fin vraiment intelligente avec le principe de dire eh ben non mec, en fait depuis le début t'es le gentil qui est méchant et qui bosse pour encore plus méchant. C'est classe, enfin franchement j'aime beaucoup, surtout que le jeu te laisse pas trop entrevoir cette possibilité. J'adore le combat final, alors le final là contre le boss il est comme il faut, donc voilà, franchement super jeu. Donc voilà, dans les commentaires n'hésitez pas à dire tout ça machin, si le jeu vous a plu, ce que vous avez aimé, ce que vous avez, enfin voilà, n'hésitez pas à commenter, merde, vous êtes là pour commenter, ceci dit, j'ai envie de dire, donc autant en profiter. Ça a été super, franchement vous avez été vraiment cool dans les commentaires. Ça a été un jeu un petit peu long, je comprends, il m'a fait tout l'été après Mass Effect. Mais voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie grandement. Overlord, c'est pas un très grand jeu. Mais c'est... Voilà, il a son charme. Il a vraiment une sympathie vraiment particulière et très sympa. J'aime bien cette petite musique de fin. Non, mais voilà. Overlord est drôle. Overlord est plutôt bien foutu. Overlord a un bon scénario une fois qu'il se révèle. Donc voilà. L'équipe de Cricket, de Codemaster... Pourquoi ?
Voilà, sinon il y a trois fins, oui, comme je vous disais, pour le jeu, il y a la fin gentille, donc on finit avec Rose, le monde est heureux, les gens sont dominés, mais plutôt contents. La fin entre les deux, où on est le maître du mal, on n'est pas là pour rigoler, les gens vivent dans la peur et tout, machin. Et la fin qu'on a vue, là, où c'est, je prends possession du monde, et je rase tout ce qui me passe à portée. Voilà, c'était Cyanure, merci à tous, à la prochaine, et n'hésitez vraiment pas à commenter pour ce final, que j'ai vos avis. Allez, salut !